Tant qu'on était pour affronter les Oilers d'Hartford, je pense que la préparation a été faite basée surtout sur le jeu d'équipe. Je pense que tout le monde comprend leur rôle et faire ce qu'ils ont à faire, on n'aurait pas de difficulté. Concernant Patrick Roy, on est tous convaincus que c'est le meilleur gardien de but dans la Ligue nationale. Et si Patrick est à l'auteur de la situation, le Canadien devrait aller loin dans les séries éliminatoires. Je pense qu'on a eu du succès avec Canadiens durant la saison, particulièrement parce que l'intensité au jeu, le patin, la vitesse. Et je pense que si on joue discipliné comme qu'on devrait l'être durant la saison pour les playoffs, je pense qu'on a une bonne chance avec Canadiens durant la série. Pourtant, avec les gardiens de but, on se sent un peu plus conforté avec Frank Petrangelo. Il est venu de Pittsburgh et puis il a joué très bien pour nous autres, les parties qu'il a jouées. Puis la dernière partie qu'on a joué à Buffalo, 2-2, il a arrêté 50 lancés. Et puis la dernière partie qu'il a joué à Philadelphie, il a joué une bonne game. Je pense qu'on l'a pensé à Frank pour qu'il joue dans les playoffs pour nous autres. Soirée du hockey Molson à Radio-Canada vous est présentée par la bière Molson Export. Molson salue l'action. L'Impérial et ses détaillants Esso. Partez en grand avec Esso. Ford du Canada. Ford, des idées qui font du chemin. Et par Pepsi Cola. Aujourd'hui, c'est Pepsi.